J'ai envie de te faire cette petite vidéo là assez rapidement pour te parler d'une nouvelle, enfin c'est pas vraiment nouveau, mais j'ai envie de te parler d'une autre façon d'apprendre le français. Alors cette façon-là, elle s'adresse à toi si tu penses que c'est très important de lire en français, mais que tu n'aimes pas vraiment lire en général, ou alors elle marchera pour toi si tu aimes bien lire en général, mais que tu as du mal à lire en français. Donc, cette méthode, elle est vraiment adressée aux lecteurs, aux gens qui veulent apprendre le français en lisant. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux découvrir comment fonctionne cette méthode. Alors, premièrement, il faut savoir que si tu vas apprendre une langue étrangère, c'est très important de la lire. Lire en langue étrangère, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas forcément. Tout le monde te dit qu'il faut écouter des podcasts, qu'il faut regarder des vidéos ou des films ou écouter de la musique. Mais personne ne met l'accent sur le fait que c'est extrêmement important de lire en français. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que la lecture, ça va te permettre d'apprendre énormément de vocabulaire dans le contexte. Quand tu écoutes une musique ou quand tu regardes un film, eh bien, tu n'as pas forcément les sous-titres du vocabulaire que tu apprends. Ça veut dire que tu ne sais pas forcément comment le mot s'écrit. Et donc, ça peut être difficile de retenir le vocabulaire quand tu regardes un film ou que tu écoutes un podcast. Lorsque tu lis un livre, eh bien, tu as le vocabulaire sous les yeux, tu as la transcription du coup. Et donc, eh bien, tu peux savoir comment le mot s'écrit. Et puis même lire, c'est très important si tu veux savoir comment sont structurées les phrases en français, si tu veux faire des belles phrases, si tu veux mieux même t'exprimer en français, hein, parce que quand tu lis un livre en français, tu peux réutiliser ce que tu lis pour ton oral. Tu peux réemployer tous ces mots, tout ce vocabulaire à l'oral. Alors moi, j'ai découvert quelque chose là l'année dernière. Alors c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais je ne l'avais pas utilisé pour apprendre les langues. Et cette chose que j'ai découvert, ce sont les livres audio. Alors, je remets un peu la caméra. Excuse-moi. Alors oui, les livres audio, on n'en parle pas forcément, mais c'est aussi une excellente façon d'apprendre une langue étrangère. Alors, pour la simple et bonne raison que quand tu as un livre audio, eh bien, dans la plupart des cas, ce sont des livres qui sont numériques. Ça veut dire que ce sont des livres que tu peux avoir sur ton téléphone portable, que tu peux avoir sur une tablette ou même sur ton ordinateur, il me semble, même si je ne pense pas que ce soit très ergonomique sur ordinateur, je préfère le dire clairement. Mais voilà, c'est excellent si tu veux apprendre la langue parce que en plus d'avoir l'écrit, ça veut dire qu'en plus de pouvoir avoir les mots bien écrits, les phrases bien faites, tu pourras aussi avoir la transcription en oral. Ça veut dire que tu as un narrateur qui te raconte l'histoire. Donc c'est excellent d'apprendre la langue de cette façon-là, car en plus d'avoir la langue écrite, tu l'as aussi parlé. Ça veut dire que tu as la prononciation, tu as la transcription orale, et c'est vraiment excellent, surtout si tu veux apprendre le français. Parce qu'en français, le gros problème de la langue française, c'est que tu vas avoir des mots qui vont être écrits d'une certaine façon. Et donc toi, tu vas penser qu'il faut les prononcer d'une certaine façon, alors que la prononciation, en fait, elle doit changer. Ça veut dire qu'en France, en français, eh bien, la prononciation n'est pas toujours la même. Et c'est l'une des plus grosses problématiques des personnes qui apprennent cette langue, c'est que la prononciation change tout le temps et qu'on ne sait pas vraiment comment prononcer la langue dans certains cas. Alors, si tu veux commencer à apprendre le français avec des livres audio, moi, ce que je peux te proposer, c'est... Alors, j'ai créé mon propre livre audio. Alors, j'en ai créé plusieurs, mais là, j'en ai créé un que je t'offre gratuitement. Alors, c'est un livre dans lequel je te raconte 30 histoires pour justement améliorer ton français. Alors, ces histoires, c'est des histoires qui sont dans à peu près n'importe quel contexte. Ça veut dire que tu vas pouvoir apprendre du vocabulaire qu'on utilise couramment dans la langue de tous les jours, du vocabulaire un peu plus soutenu. Tu vas aussi pouvoir apprendre du vocabulaire un petit peu familier, parce qu'il y a plusieurs histoires dans ce livre. Et donc, on va pouvoir explorer toutes ces facettes de la langue française. Le gros avantage, c'est que bien sûr, c'est un livre audio. Ça veut dire que
Tu vas m'entendre raconter l'histoire, tu auras bien sûr la transcription, et toi, de ton côté, tu vas pouvoir apprendre du nouveau vocabulaire dans son contexte. Et en plus de ça, c'est aussi un excellent exercice d'expression orale, car tu vas aussi pouvoir, comment dire, répéter les phrases que je vais dire tout au long des histoires. Moi, c'est quelque chose que je te conseille de faire quand tu lis un livre audio, c'est d'essayer de répéter à haute voix, donc tu as l'occasion d'avoir un narrateur qui te raconte l'histoire. Donc là, pour le coup, ça va être moi, le narrateur, et tu pourras répéter les phrases à haute voix. Donc le livre audio, il est disponible gratuitement. Si tu écoutes le podcast, tu peux te rendre directement sur mon site frenchin5minutes.com si tu veux avoir accès gratuitement au livre. Et si tu me regardes sur YouTube, eh bien tu peux aller juste dans la description de cette vidéo pour avoir accès à mes 30 histoires courtes en français. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu si tu me regardes sur YouTube. Si tu m'écoutes en podcast, j'espère que le podcast t'aura plu. Et donc si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne ou alors me suivre sur toutes les plateformes d'écoute sur le podcast. N'oublie pas que si tu me laisses une note sur les podcasts, eh bien moi, ça me met en avant par rapport aux autres. Et donc, ça m'offre un excellent soutien. Donc, si tu aimes mon travail, tu peux me soutenir de cette façon-là. Sur YouTube, tu peux aussi mettre un like ou tout simplement t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Salut et prends soin de toi en attendant.